Tu t'en fous pas de nos blocs, un avenir tout sale, tout comme l'époque. Toujours serein quand y'a les portes, tout dans le garçon, un dans les poches. Pas les couilles de rapper comme eux, veulent déjà tous rapper comme moi. Tous les jours c'est celui de la paix, et ton complet tu fais dans le monde. On est mal les mémodies. Il y a mon entraîneur qui m'a rappelé. Ouais, ah, pardon. Ah. Ah. C'est vraiment un tank par contre, son perso. Hein. Oui. Ah, là, t'es mort, ça y est. Je me suis couvert. Hein. Oui, bon, oui, je me suis couvert les deux fois là. Hein. Quoi, quoi, t'as fait quoi? BAM! Oh 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 le karma. Tu sais que, en gros. C'est bon, vous avez raison, j'ai tort, c'est bon? Non, non, c'est pas sûr encore. Non, non, mais parce que bon. Tu vas me dire, je suis têtu. Ouais, je sais pas. Regarde le tweet de Bichour. Tout le temps, vous me faites réagir à des tweets là. Je pense qu'il faudrait que j'aille là-bas quand même. Bon, pas grave, eh, BO2. Sa mère. Je me fais focus par le jeu. Moi je suis le commentateur arabe. Kifi l'ol martom. En fait, j'arrête de cacher la manette, wesh. Dynamique. Ah bah oui, bah attends, quel fake. Neymar. Non, Ishak. Un peu trop. Mais ouais, du coup, ouais, ça me fait la merde, les pénaux sur écran scindé. Mais frérot. Mais à quel moment? J'ai jamais tiré de pénalty. Ils sont meilleurs les pénaux sur PES. Hein. Mais oui, tu choisis droite ou gauche, t'es de la frappe, wesh. Aïe aïe aïe. Draxler qui la récupère, qui monte, qui la repasse à Mbappé. On la frappe, le goal. Mbappé 3-0 à lui tout seul. Goal. Quel magnifico! La noisette qui casse des noisettes! Il faisait l'américain ce fils de pute au début du match, Nathéos, te rappelle? Il disait ouais, hey, si on a joué, j'étais bien baisé et tout. Ah, attends, 3-0, c'est pas sous la table? son premier message à elle, je commence à pas dire de ça. Ok, vas-y. Vas-y, ok. Zama, en gros, je vous explique. Il parlait de LOL, tu vois. Il parlait de champion de LOL et tout. Bah, tiens, à mon avis, il lui a dit je jouais Jax, etc. Et elle lui répond: non, mais Jax, il y a zéro fun, c'est pas marrant, ça met trop de dégâts, ça stun. En plus, Zed Kassadin, c'est trop fort. Il lui répond: ha 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 ha, je te mange. Elle lui dit quoi? Il lui dit: je te mange le cul. Y a aucune douceur. Mais t'es un beau frère, mais pourquoi? Je sais pas. Mais Balti, mais qui t'a pris ce soir-là? T'étais en manque? Je sais pas. Voilà, il avait pas le temps, wesh. J'étais pété. Il ouvre son tel, il voit un message qui parle de lui, il avait la haine. Il voulait changer de sujet. Mais il est malade, ce type, c'est non, pas possible. Non, putain. Ok, c'est bon, ce que je dis en truc, elle est pas encore devant l'écran. Yes. En vrai, tu construis hyper vite, je comprends pas comment vous arrivez à construire aussi vite. Bah, je sais pas. Moi, je pensais que j'avais tout perdu, mais j'ai pas tout perdu. Tu me construis dessus, Nathéo, j'aime pas trop ça. Mais tu fais des chapeaux et tout, tu les édites. Moi, je sais pas faire ça. Hein. Non. Faille tomber. Aouh, arrête de me maltraiter. Hein. Mais... Théos, non. Viens, on arrête. Je t'ai pioché, Woody. Oui. Ah, vous avez dit HP, j'ai eu trop peur. Je t'ai pioché, sale merde. Trop marrant. Et par contre, c'est vrai, au corps à corps, tu paniques. Ouais. Clique sur le profil, tu vas voir. Je peux pas cliquer sur le profil. Ouais, c'est un screen. Ok. Non, c'est pas Abdel. Non, mais peut-être que je sais pas, frère. Écoutez, il a son intimité, ça c'est bien. Il a les cheveux longs. Peut-être qu'il se laisse pousser une crinière, parce que ça, il avait une crinière de lion. Ouais. Et par contre, il s'est fait étrangler, ça fait de la peine. Hein. Ouais. Ouais. Il s'est fait étrangler, ça fait de la ouais, peine. Ouais, mais en fait, on sait pas s'il a fait le carry ou non, si vraiment il l'ont. Pas. Je pense que lui, il évite les scandales. Hein. Je pense vraiment que c'est un mec qui évite les scandales fort. Ouais, ouais, vraiment. Ouais. Je crois que c'est la première fois qu'on voit des images qu'on n'est pas censé voir en vrai. Oui. Mais en même temps, frère, il y a 5 angles différents et tout, frère. Ça abusait, tout le monde a filmé. Ouais.
Mais tu sais qu'au début je savais pas que c'était lui. Hein. Et ils ont bien filmé. Au début je savais pas que ils ont bien filmé ça. Ça fait plaisir, pas comme Bataille d'Orly. Oh ouais. Les gens ils filment frère, ils savent pas filmer, c'est terrible. Ouais, t'as vu à... oui comme ouais je te jure à Paname t'as vu le truc à Orly là qu'il y avait eu pour Bocaris. C'était sûr mal filmé. Oh ils savaient pas filmer et tout tu vois. On a l'impression que c'était fait exprès carrément. Pour laisser toujours une part de doute si on a un il se fait arracher ou quoi. Ça va, ils prennent que des gens d'équipe avec des téléphones de merde. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance que genre ça soit un coup de com de la démo? Non, impossible. Parce que déjà les flics sont assez dans la merde comme ça, il va pas encore plus les mettre dans la merde. Bah frère, des mecs en costume. Peut-être pas un coup de com', mais peut-être que quand il a vu qu'il se faisait arrêter et que ça montait en pression et qu'il y avait des téléphones autour de lui, il s'est dit bon là on va le faire à fond. Peut-être, c'est possible. Il s'est dit ouais, on va mais faire. Sachant qu'un mec il a leak qu'il a soi-disant un gosse. Parce qu'on voit pas de gosse dans la vidéo en vrai. Mais peut-être qu'il a pas de gosse aussi. On voit pas de gosse dans la vidéo. Je sais pas, ça parle d'enfant frère. Oui mais peut-être que... qu'il était avec son petit cousin ou un petit peu de sa famille tu vois. Est-ce que t'as vu un gosse sur la vidéo toi? Absolument pas. T'as vu un gosse dans la vidéo? J'ai vu une tête de gosse par contre. Comment t'as vu une tête de gosse? Je suis le seul à l'avoir vu, frère. Parce que Belek, à démo, il était avec son petit cousin, il l'a emmené au café pour son anif, tu vois. Et il y a un type qui filmait, il dit ouais, doucement, ouais, il est avec son gosse, tu vois. En mode arrêtez. Ouais. Ok, ouais, bon, oui, non, Nathéos n'a pas de casque. Mais Nathéos, pas de casque. On va. Mettez des queues partout dans le chat. Mais là, genre, je bois. Sur Amazon. Je suis une merde, mec. Je suis un acheteur compulsif. Mets un PC à la place de la Play. Ouais, c'est ce qu'on va peut-être faire en fait. On verra. Tu veux jouer un truc? Ou tu set up? Regardez, il a fait comme Bichou. Il confond pâte à modeler et pâte à prout, wesh. Ça se voit qu'il est hétérosexuel. Il a vu une pâte. Son premier réflexe était de rentrer deux doigts dedans. Oh putain. Par contre, ça, tu sais que j'ai peut-être le Covid. Hein. Non. Non. Regarde, il m'a donné ça, le médecin. Il m'a dit à surveiller. Ouais. On est tous malades, wesh, à la maison. On est tous malades. C'est de la... Donc eux, ils font pas de lutte. Même parce que un mec qui fait de la lutte, il peut savoir réussir à mettre des bonnes patates et tout, alors qu'un mec qui fait... C'est vrai. Qui fait du kickboxing. Bruce Lee, c'est le seul perso un peu troll qu'il y a, y'a pas d'autre. Y'a pas Jackie Chan. Y avait Mike Tyson sur UFC 2, mais il y est plus là. Ok. Et toi, Sarge, oui, continue de faire ça. McGregor. Sarge, j'ai mes chances. Sarge, tout ça. Sarge, j'ai mes chances. Attends, mais il s'est fait défoncer. Ah ouais, non. Change de gars, Nathéos. L3, j'ai changé. L3, ah ouais. Qu'il est motive, entre guillemets. Tu sais ce que je ferais, moi, si j'étais vieux? Tu ferais quoi? En gros, je trouverais des jeunes, tu vois. Genre un groupe de 15-20 jeunes, t'as vu. Et je leur dirais, écoutez, moi je suis triste dans ma vie, je suis seul dans ma maison, etc. Vous venez vous squatter quand vous voulez. Si vous voulez fumer dans mon salon, si vous voulez boire, faire des soirées, niquer, c'est pas mon problème, juste habiter ma maison, tu vois. Et genre moi, je serais un vieux de 80 ans, et tu sais, je sortirais comme ça de mon lit en peignoir, tu sais, le peignoir plein de caca, puis j'irais dans le salon. Et je verrais, je sais pas, une meuf en train de se piquer le bras, deux gars en train de niquer sur une étagère, l'autre en train de se buter au jack à 8h du matin. Et je me dirais, bah putain, ça fait du bien d'avoir une maison qui vit, tu vois. Et ça se trouve, quand il y aurait des soirées, tu sais, je serais un peu la mascotte. Oh, hey, venez, on va chez le vieillard. Et tu sais, j'arrive chez moi, ils mettent de la musique de fou. Et moi, je suis là, j'adore la musique de la jeunesse. Et le patron, et nous, on trois pas trop. À la chicha sous ballon, tu te pars tout à l'amour. Tu racontes que des pipos. Oh boy.